Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18 des exploitations agricoles concurrentes. Je suis en compagnie d'Alexis. Ah bah non. Ah non, alors il est encore pas là. Je suis en Salut! compagnie. Je suis en compagnie de Florian. Et yo tout le monde, c'est Flo d'Abracat! Et je suis en compagnie de l'éternel et magnifique Papy. Salut tout le monde, salut à vous les gars! Salut, Magnifique salut. est un grand mot, hein! Non mais je savais plus Ah, quoi dis donc dire. toi! Il a trouvé le... Bah oui, il a trouvé le premier mot qui lui venait à l'esprit en pensant à moi! Magnifique, Voilà, c'est voilà! ça. C'est exactement ça! On s'est jamais vu, mais bon, magnifique. Magnifique dans le Comment travail, on dira. confirmer? Comment C'est confirmer? bon, ça. Ou sinon, les bézettes, quoi dit les neufs dans votre travail aujourd'hui? Moisson, semis, vente, achat de Ouais. tracteur, ça c'est sûr. S. Ouais. On n'a pas le choix. Pas le choix. Bah, pas mal. Ouais, le tracteur de papier arrive au bout, hein, c'est ça. Hein. Arrive Pas bientôt aux loin, ouais. heures. On va essayer de l'utiliser plus longtemps possible. Ouais, tu vas le tirer jusqu'au bout, Bon. quoi. Ouais, Ouais, voilà. on On va le le vend pas, garder. mais on ira Ouais. bah, jusqu'aux 75 heures pile poil. Ouais, voilà, on aura quatre tracteurs et puis D'ailleurs, on n'a pas dit quand ça arrive là, on le vend ou il part à la casse? Ouais, c'est ça. Est-ce Allez. qu'on le vend puis on récupère les sous? Ouais, d'ailleurs, ouais, très bonne question, tiens. Soit tu le vends avant et tu récupères les sous, soit il part à la casse. Tu récupères rien. Ok, d'accord. C'est une bonne idée, ça, Flo. J'y avais pas Je pensé, ouais. pense. Vaut mieux qu'on le vende à 74 heures 9, par 9,9, exemple. 9,9. Voilà. Et imagine arriver au magasin, il passe à 75 heures. Enfin, oui, enfin, faudra essayer d'anticiper un peu d'avant, quoi. Ouais. Bah voilà, les amis, une petite nouvelle règle comme ça en direct. Voilà, Voilà. j'aurais pu qu'elle la... on n'aurait plus qu'à la rédiger sur le truc et puis voilà. Bon, sinon pas C'est mal de ça. taf. À tout à l'heure du coup les Ouais. bezettes. Ok, bah bon courage à toi. Tidaling. Oh, vous avez pas move les gars, vous restez avec moi, c'est cool ça. Move your body. Ah bah si, vous êtes mute. Ah voilà. Je suis tout seul maintenant. Donc du coup Alex a un peu fait de déco mais on vous remonte ça plus tard. Il a ramassé pas mal de paille. Dégage parce que tu nous gênes. Hop, on va remettre un ouvrier ici. Hop, je vais regarder s'il y a de l'avoine dans le silo. Parce que là d'après ce que... pédale. Aïe, comme d'habitude, Alex, il arrive et tout en vario, je suis sûr. À chaque fois, il nous emmerde. Parce que l'avoine est en forte demande. Là, je vais pouvoir mettre l'ouvrier. J'ai tout rangé et tout, donc ça va aller. Regardez l'avoine, on sait qu'on en est. Allez, merci pour les pouces bleus, les commentaires sur la dernière vidéo, sur les lives. Alex va arriver, hein. Il a juste un peu de retard sur quand on commence à tourner, mais il va pas tarder. Et hop là. Hop. Et bien droit, là c'est du colza. Je sais plus ce qu'on avait dit. Ah oui, colza, 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 colza. Et là, dans les autres, on passe à avoine. Ça marche. Alors, de la papaye, alors de la papaye, les gars. Problème chez l'ouvrier boss. Avoine, est-ce qu'on en a dans notre stylo? Il en reste 21 000, on n'a pas une benne. Donc, on va placer de l'orge qu'on donne. Dommage, on aurait dû mettre tout aller sur le tracteur. Oh merde, l'enlisement, tant pis. Pas trop réel que je... Soit je vais le foutre dans l'avoine directement après l'ouvrier. Comme vous avez pu voir, j'aurais changé mon angle de cam aussi, parce que j'ai refait mon PC en water cooling. J'ai changé tout mon setup de place. J'ai rebranché aussi. Mon Logitech Pro 3D, je verrai comment servir. Quoi d'autre? Pas grande chose. Bon, voilà. Je ferai bientôt une vidéo setup, vous inquiétez pas. Il y aura bientôt l'élection de la prochaine ferme, donc dans 2 épisodes. L'épisode 20, on vous présentera nos fermes et vous pourrez voter. On a le temps de faire de la déco, de changer des trucs. C'est vrai que j'ai pas trop envie de vous montrer la ferme. Hop, du coup, les poules aussi, les animaux. Ah non, il a déjà mis du blé. Non, il n'y en a plus beaucoup. Faudra que j'aille en remettre les vaches côté, il faudra que je les nettoie. On a déjà 4 000 litres de lait. Les moutons, on en a 68. Bientôt, il va falloir remettre de l'herbe. C'est pas trop mal. Sinon, là, on va avoir la rentrée d'argent.
De l'avoine, on aura des œufs bientôt avant. D'ailleurs, on a palette. Comment il est le prix? Et en haut, ça 1600 et quelques. La laine aussi. Ouais, on aura pas mal de choses à vendre. Et on va enfin pouvoir acheter tout ce qu'on a acheté. Au tracteur, on va revendre le classe. Ça, c'est sûr. Alors, une nouvelle moissonneuse. Allez, hop. Hop, pas du tout. Okay. Là-bas, il a l'air de se mettre correctement. Je vais prendre le tracteur et je vais ramasser la paille en espérant que je puisse ramasser deux andins en un. Hop, lui. Alors, à nouveau, je vais vous laisser qu'un accéléré de tout ça, de toute façon. Windows qui fait chier. L'air de pouvoir ramasser deux andins avec, ça a l'air d'être même. On est parti pour ramasser. Bloqué pourquoi? Qu'est-ce qu'il me fait l'autre? Ah du coup, allez voir monsieur l'ouvrier. Bloqué par quoi? Mais cet abruti, qu'est-ce qu'il fait demi-tour ici dans notre champ? Mais qu'est-ce qui est con? Aïe 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 aïe. Allez, doit terminer. Bon allez, on se passe avec un accéléré. Fermez les ouvriers. Dès qu'Alex arrive, de toute façon, ça va le faire. Néanmoins, c'est que maintenant vous voyez le volant. H. Bloqué par quoi? Vas-y, raconte ta vie, toi. Ouais, le lancer, le petit. Alex est enfin parmi nous. Salut, salut. Il va pouvoir, pouvoir gérer un peu plus. Là, moi, je vais reprendre. Ah, j'ai mon volant, il marche plus. Ah. Ah, très moche. Oh merde, putain. Pour rejoindre. Il marche plus mon volant. Et allumé ou pas? Le... Ouais. Non mais c'est bon, je sais peut-être pourquoi. C'est bon, il était en mode PS3. Ah putain, ah, quand il a décidé de te faire chier ce volant de merde là, fais chier. Pour attaquer... ennemi, moi à la fin. Mon volant ne marche plus. Il faut que tu quittes... C'est normal, je l'ai débranché. Ah. Forcément, si tu le débranches, il peut pas marcher. C'est normal. Ça s'occupe. Enfin, une fois que le prochain champ. Bon, en fait, de l'avoine, on en a plus. À moissonner, je croyais. Donc, je vais aller vendre la dernière benne. Juste après. Tu peux aller brancher.
On va se faire un peu de sous quand même. Les yeux sont en train de monter. J'en ai... Ouais, ils se sont arrêtés à 1747. Ouais, ça va. C'est quoi, on vend la palette ou on attend encore un peu? 1747. Vas-y, on a besoin de thunes. Et on peut attendre jusqu'à la fin de la journée. Qu'elles produisent à mort. Oui, après on peut faire ça aussi. Hein. Oui, il baissera pas avant la fin de la journée. Le champ là, c'est fait. C'est l'encolza. Alex est en train de ramasser, il va passer en colza. Ils la passeront. Et après tout le reste repassera en avoine. Donc on va avoir pas mal de paille à fur et à mesure. On va avoir de la rentrée d'argent très souvent maintenant. Là déjà, je crois qu'on a déjà la dernière fois quand j'avais fini de mettre la paille, j'en avais 300 000 dans le silo. On va avoir au moins 400-500 000. Ah, je te garantis que là ça va. Faut qu'on ait un silo plein très souvent. Bah à chaque épisode. Hop, je... Et elle en est où là? Le prochain champ qu'on met, c'est le 168-169, on met en orge en blé. 168-169, il passe en avoine, ou on peut le mettre en orge, comme tu veux. Normalement, sur la rotation, il passait en avoine. Et le plus de paille. L'avoine, normalement. Normalement, c'est chiant. Ce qui est dit après. Putain. On va cesser avec un accéléré de la vente. On se retrouve tout à l'heure, je vais faire en même temps. Pas bouge, pas bouge, pas bouge, pas. Par contre, c'est pratique hein, le truc pour qu'on puisse ramasser deux andas en même temps là. Il a terminé son travail. Non, mais il a pas fini le champ. Comment il peut avoir terminé son travail? Ah, là, ça a l'air du crossplay, toi. Ouais, mais à mon avis, il est entre les deux champs. Je cherche pas. C'est les champs groupés. Il est arrivé pile à la délimitation où il y avait l'autre champ. Oui. À mon avis, on aura un silo plein et l'autre, on va commencer à le remplir. Il y a moyen. Parce qu'il y a encore tout l'argent à faire. Ah mais oui, enfin, encore en train de mentionner là. Ouais, le prochain achat qu'on fait, c'est le tapis. Oui, oui. Bon, allez. J'ai revendu le godet et tout hier, donc, enfin l'autre jour. Oh, bah, de toute façon, rien que le silo de compost. Et là, je vais revendre encore un peu. Il y aura un peu de déco qui va faire qu'on paye. Oh, tu t'enlèves 5000. Hein. Bon, allez, je vais vendre ça. On se retrouve tout à l'heure quand. On aura déjà pas mal avancé pour qu'on fasse un point avec vous. Hop. Ah, les gars, on va faire une deuxième synchro. Pourquoi? J'ai mon péché qui a craqué. This is the world you've made yourself.
you have to live in it. The end is in our sights. On se retrouve. Bon, y en a qui dépassent du silo, t'as vu ? Pas pour mettre dans l'autre. Ouais, je sais. Donc c'est Alex qui reprend la suite demi. On va ramasser un peu de paille ensemble. Je suis infini, c'est le temps d'aller se mettre, je te le dis. Ah, moi, j'ai continué à ramasser la paille pour qu'on fasse autre chose. Rien, on a. Oh, c'est du colza que tu se mets. Ouais, colza dans les champs. Il y avait l'orge là, et après, on passe en avoine tout le reste. Colza qui aurait été moissonné, on repasse en avant. Dire qu'il va y avoir de la paille encore. T'es sûr, Farming Simulator? Hop, l'ouvrier a quasiment fini de moissonner le dernier champ d'orge. En fait, de l'avoine, mais comme tout à l'heure, on en avait que moissonné. J'étais vendre la dernière benne, donc il nous a rapporté 16 000. C'est pas mal. On a un silo de compost, oui. Ouais, on sera dans le prochain épisode. Je crois qu'on sera en fin de journée. On aura peut-être des œufs avant, on attend que les poules finissent de produire. Ouf, voilà. Pas mal de petites choses à faire. Donc ouais, mine de rien, on a 25 champs et je pense que pour l'instant on va pas en prendre plus. On a le droit de monter jusqu'à 30, mais. Que t'en penses, Alex, mais. Oh, si, avec les grosses plombes, on peut. Ah, faut que je. Ah, rire. Et je vais te purifier. Quand tu auras du temps, tu me diras. Accélérer comme ça là. Je crois quand on aura fini soit par contre le classe on a dit qu'on pouvait le vendre Alex. Pas sûr, il a un chargeur non celui à la classe. En mettre un, non? Non. Normalement, non. On aurait pu le garder en balai de ferme. Ouais, c'est ce que je pensais, mais il sert à rien. De toute façon, tu t'en chies pour tout. Avec ce tracteur. Hein. Ah, on peut ramasser, ça ira. Pour ramasser la quoi merde. Pas de la merde, des vaches. Avec des vaches, ou des moutons. Il a pas le chargeur, il a pas le chargeur. On se rachètera un petit fil. Le valet de ferme, ça sera le 500. Ah, mais si on a le crossplay, si on avait gardé le tracteur là, on aurait pu avoir trois tracteurs qui tournent le course. Yourself. I can see the end inside. Three, two, one, hardwired. Et on se retrouve, j'ai fini de ramasser la paille. Alex fait programmer le course play pour qu'il moissonne et qu'il appelle la benne. Que la benne aille et dans le silo directement. Ça c'est juste génial.
J'ai chargé les œufs aussi. Ouais, on a appelé les vendre. Je suis. Et on a quand même pas mal de paille. Parti dans le compost. Minder. Ah mais il est pas loin de 500 000 hein, tu disais dans l'autre silo Alex. Hein. Oh on a là, entre 300 et 500 000, je sais pas. Ah bien quoi, bah, je crois. Je pense qu'on a au moins 400-450. Hé hey le bic. Il est en quoi moi? Aïe 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 aïe, bah là le chef il va prendre. Hey, débloque-toi toi. Voilà, hop. Et c'est ça là, le bordel, je sais. Oh, tu m'as mis le truc où il fallait pas. Je vais vendre les œufs pour la fin de l'épisode. Il y a rien pour le charbon ce mois. T'as un peu d'argent. J'ai bien fait de l'argent. Je vais me charger les petits cartons qui traînaient. On aura encore le mot sans finir dans le live du SMI. La déco, on se la. Putain, on se la garde pour quand c'est du off. Moi, quand c'est de notre côté. Alors, les rambardes que t'as mis, elles sont bien. Faut oublier de tourner là, je crois. Ah, quand je les ai mis, j'ai fait tiens, je vais les mettre pour faire chier la mine. Non, c'est juste qu'il faut pas que j'oublie. Tant pis pour laisser passer. C'est normal, t'inquiète. Ils sont pas venus moissonner leur soja encore ici. Eux. Non. Je crois qu'ils l'ont zappé. Bon, on va le faire. Ferme, tu mets droit. Ouais, voilà. T'inquiète. On rigole. Non, on rigole pas. On va vendre ça, puis après on ira voir les bazards dans le sang. Et on n'a pas fini nos activités, mais voilà. Il y a des vidéos énormes à tourner. On avance. Bon, Alex, c'est pas là depuis le début, donc il pourra rattraper son tas. Papy, je viens entamer les chambres. Papy, Pipo vont peut-être caster après aussi, donc Alex pourra rester pour. J'irai rejouer sur la suite. Après, je vais faire mes réparations que j'ai à faire, et après je reviendrai sur la partie. Allez. 100 000 ouais. 800 000 Un petit 100 000 hein. Ça fait normalement ça. C'est quoi ça? C'est une boîte d'œufs que j'ai. Ah, comme ça, en même temps. C'est-il pas beau le compte qui monte, les gars? On va pas s'en aller. Faire. 50 000. 50, ouais, 55 000 à peu près. Une palette de peine, c'est pas mal. Hein. Et les deux, ça faisait une palette de peine avec les deux. Les prix. Hop. Hop. Nice. Toi, t'as ressemé du colza sur le champ d'herbe, toi aussi. Oui, bah oui, j'ai pas fait gaffe. Bon, allez, je vais mettre le tracteur sur le côté là. Bon, je remonte, j'ai le temps avant la fin de la vidéo. On le remonte ensemble. Donc, prochain achat, la moissonneuse, le convoyeur. Ouais. Puis, et après, l'auto-chargeuse. Après, auto-chargeuse, 800 TMS. Ah, 800 tout court. Et 800 tout court. Après 800 tout court, l'auto-chargeuse, on vend le classe et on rachète un FN 300. 500. 500 Vario.
500 favoris. 500 favoris. 500 favoris. Ouais. Attends, on va tourner en fend. Alors juste à mentionner ce qui sera pas fend. Oh, on aura un valet de ferme plus 3 autres tracteurs. On pourra s'occuper des animaux pendant que le course play tourne. Voilà. Quand il y a un autre ouvrier avec nous. Ah oui, non, mais là c'est... Oui, bon, allez, il ne compte pas. Verra bien. Mon ouvrier est en train de travailler, moi, un truc, il me fait pas chier. Il fait son travail, il va décharger à la ferme, il fait tout. Non, bah tu vois, les palettes, les cartons commencent à spawner. Ah ouais? La palette en dessous, elle est partie. Oubliette. Là, Ah oui, il restait des boîtes d'œufs qui n'ont pas été vendues, bah super. 100 euros de moins. Sur le plateau? Ouais, c'est, j'avais pris les petites. Pas vendues. Oh, elles sont... 800, on sera à 213 000, tu déconnes là. Non, 800 euros d'œufs. Oui, bon, on serait à 113 000. Hein. Hop, c'est bon, la palette a marché. Alors les bezettes. Truc pour la prochaine fois. Voilà. Allez, on se retrouve chez les bezettes. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, les bezettes? Ah bah attends, Julien va t'expliquer. Alors, du coup, aujourd'hui... Allez, je vais vous expliquer, moi, parce que Julien est pas très motivé aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? De la moisson, du semis, on a commencé à décorer la ferme pour l'épisode 20. Yes. On a vendu pas mal de compost. Ouais. On a fait, vous allez pas nous croire, mais dans cet épisode, on a fait 2 gros achats. Non, pas possible. Tu promets? Non. Moi j'en ai vu un, le deuxième, j'ai pas encore vu d'ailleurs. Eh ben on va aller voir ça. Donc on a semé, on a fini de moissonner le champ 120 à 129, on a ressemé aussitôt, passé de la chaux. Là, on est juste à passer un coup d'herbicide. Tout ça, ça va être en avoine. Alors, on continue à côté du Joticlos. Julien est en train de labourer. Yes. Avec son magnifique achat qu'il vient d'acheter. Et où? Un petit 7R. Je vois. 6R, pardon. Ah, je suis à côté du Joticlos. Ah non, il est là. Il est là. Un champ 1314. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voyons voir ça. Qu'est-ce qu'il a acheté? Encore un verre, hein, c'était joli. 7R. Ça, il nous a coûté 245 000. De Dieu, il doit y avoir la différence quand il laboure quand même maintenant. Ah ouais, pas tant que ça. Du coup, on a commencé à moissonner ce champ là, on n'a pas fini. Hein. Deux moissonnées encore où? Avec notre case et notre petit Valtra qui est toujours là. Ouais, pour faire du coup, on n'a pas revendu le petit jaune d'air qu'il avait, Julien, on l'a gardé. On va essayer de le pousser jusqu'à 74h09 pour pouvoir le vendre. Je m'en doutais. Mais si on revend que 5000 euros, on vendra 5000, ça déjà ça de gagner. Ah ouais. Voilà. Et notre plus gros, bah pas le plus gros, parce que ça a coûté moins cher que le tracteur, le champ près de chez vous là. Ça a coûté moins cher que le tracteur. Une petite, ouais, ça aura coûté que d'elle la moissonneuse. Et franchement, petite, elle est belle en plus. Une petite JD160. Ouais. Dans le soja en train de moissonner. En cours de moisson, bien sûr. Elle nous a coûté 160 000. 60 000. Voilà. La barre du coupe, on l'avait déjà avec la case. Ah, tu du l'as coup, on l'a remis en vert. On l'a juste repeint. Et t'as combien de chevaux du coup dessus? 320 là. Pour le moment. Mais je peux la configurer, on peut la configurer plus grand. 320, celle qu'on va peut-être prendre dans le futur, il sera beaucoup plus gros nous. Et trimis de 12 000 litres. 12 000 litres. T'as un souci, ils annoncent pas de pluie, t'as les essuie-glaces, ils marchent tout seuls. Ouais, mais c'est normal. Ouais, c'est normal, c'est pour la poussière. Ouais, c'est pour la poussière. Ouais, donc pas mal d'achats. Donc du coup, le compte est à combien maintenant? 43 000 il nous reste, mais on a un prêt de 50 000. Ah d'accord. Donc on a vendu des œufs, on a vendu pas mal de compost, un peu de maïs. On n'a pas tout vendu, le maïs, que le prix a chuté. Tout le colza on a vendu, on avait je sais plus combien de litres, on a 2 bennes je crois. Ça marche. Et voilà pour nous. Eh ben c'est pas mal, un bel épisode de chaque côté. Une belle dépense. Normalement, sauf si on fait des folies, normalement il n'y a plus de grosses dépenses à faire. Ah bah oui, nous aussi, c'est qu'on on va aller sur les dernières grosses dépenses, là, puis après, bah, ça ira. On se fait un tracteur et après, ça sera fini.
Ouais, Néo, ce serait peut-être un automoteur. Allez. On réfléchit avec Julien, on verra bien. Ça marche. Eh ben, sur cette bonne fin de l'épisode, on va vous souhaiter à tous une agréable soirée. On se retrouve demain en live pour la suite de ces aventures. Peut-être qu'on fera de la déco en live et on laissera les ouvriers travailler. On verra. Je pense qu'il y a moyen qu'on voit ça. Ouais. Bien. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Flo, JFlode 1.4, à bientôt 1.5. Non, je rigole. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Ouais, abonner, liker, partager. Toutes les chaînes en description. N'hésitez pas à aller les voir, à liker, vous abonner, à dire que vous êtes notre part. Toutes des chaînes qui on se soutient mutuellement parce que voilà, chacun aime le contenu de chacun. On va dessus. Ouais. C'est des chaînes que voilà, je vous conseille d'aller voir. C'est sans prise de tête, c'est rigolade et ça joue très réaliste. Voilà. Bonne fin de soirée et puis bah on se retrouve demain. Ciao ciao, bye. Ciao. Ciao ciao.